Deepak, Sri Sai Deepak, Jai Sai Deepak. Et c'est quelqu'un qui parle de flot interminable de prêtres noirs venant des États-Unis pour convertir les Indiens au christianisme. Il parle de les Européens, les maîtres, utilisent, enfin les Anglais, plutôt les Américains, dont les Américains, les Blancs occidentaux, utilisent, en fait, pas tous les Blancs. Quand je dis Blancs occidentaux, c'est vraiment un pourcentage qui sont dans l'organisation de l'Église, en fait. Ce pourcentage qui font partie de l'organisation, l'armée, des employés de cette, on va dire, multinationale. L'Église, c'est une multinationale. Et les missionnaires sont des employés. Et ces employés sont un pourcentage. Donc, je ne critique pas tous les Américains, mais un pourcentage des Américains viennent, en fait, d'origine africaine, hein, de Black Americans. Ils viennent en Inde pour convertir les Indiens au christianisme. Donc, Jai Sai Deepak, J.Sai, S-A-I, D-E-E-P-A-K, c'est son nom, Deepak. Il dit comme ça, les Blancs utilisent l'ancien esclave pour asservir le futur esclave. C'est tellement bien dit, moi je n'ai pas résisté à le traduire ici. Et pour bien décrire la situation actuelle où les États-Unis profitent de leurs anciens esclaves, le black, les Africains convertis au christianisme par la force institutionnelle, qui réclament maintenant le Jésus noir, Jésus, à la place de Jésus blanc, bah, ils préféraient avoir un Jésus noir. Mais ils ont été tellement assimilés au système de l'Église, ils sont là-dedans, en font la caisse. Donc, ils veulent convertir le monde entier au Jésus noir, quoi. Do you realize that some of the pastors and padres who are sent to India are actually African? Est-ce que vous réalisez que beaucoup de prêtres et de padres qui viennent des États-Unis sont d'origine africaine? Is that a question that you're willing to address? That the black churches in America export a significant number of... L'église black des Américains, des États-Unis, exporte beaucoup de padres en Inde. To Indians, they went to India. High school, St. Anthony's High School, which is based out of Hivan Nagar, used to see a regular stream of African American missionaries from America. Mon école a vu déjà arriver pas mal des Africains, des pasteurs africains qui venaient prêcher aux enfants, ils ramenaient les enfants par batch et ils les éduquaient à haïr leur propre Dieu, ainsi de suite. Okay. So, there is a center in Hyderabad called the Muttangi Center, and which is a Christian center. Mm-hmm. And that center, what they would do is that the African American missionaries would come, they would ask... Regardez bien, hein, cette émission extraite de City Media, CITTI. Vous pouvez visiter ces sites, il y a beaucoup de choses intéressantes. Les enfants vont là-bas pendant une semaine et reviennent complètement changés. Ils vont abuser leur propre Dieu. Ils subissent un servage, un lavage de servage. Has now become a part of the oppressing community. Oui, okay. Les Noirs américains chrétiens missionnaires sont devenus, font partie intégrante de la... Attendez,
ils disent, font partie d'intégrante de colonialistes. That is what they have gone to. They want to see a black Jesus as opposed to asking why Jesus. Okay. Ils veulent voir un Jésus en noir opposé au Jésus blanc. We don't need to necessarily express solidarity. We can only say perhaps the white Christian as well as the African American deserve each other at this point. Okay. And maybe let's see, hopefully something positive comes out of this, where the white Christian is supposed to ask himself. Le chrétien blanc et le chrétien noir, c'est, actuellement, se méritent l'un et l'autre. Ils deserve each other, l'un et l'autre. Donc, c'est là, la cohabitation de ceux-là se base sur une sorte de volontariat, d'approche volontaire l'un envers l'autre. Donc, il y a une solidarité cachée entre le maître et l'esclave. Le maître et l'esclave sont maintenant dans le même parti. Ils font intégrante du même système. Le maître et l'esclave ne sont plus séparés. Ils sont dans le même camp. C'est-à-dire, ils sont arrivés à un certain point où le maître a tellement subjugué et brainwashed le cerveau, le lavage, il a tellement lavé le cerveau de l'esclave, et l'esclave, il est devenu partie intégrante du système de blanc. C'est tellement... Vous lavez pendant 200 années un cerveau, et vous finissez par le polir en tant que cerveau blanc. Le cerveau noir est devenu complètement blanc, blanc, blanc.